Salut à tous, c'est Sparky, j'espère que vous allez tous super bien pour ma part, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière parce que ça va être une vidéo théorie sur Fortnite. Et vous l'avez vu dans le titre, les aliens vont envahir la map de Fortnite. Vous allez me demander pourquoi je vous dis ça, c'est très normal de se poser la question. Et vous verrez qu'à la fin de la vidéo, vous aurez sûrement des doutes et vous commencerez à croire la même chose que moi. Donc tout d'abord, on est très nombreux à avoir remarqué que le thème de la saison, c'est un peu le cinéma. Il y a des caméras qui se sont rajoutées un petit peu partout, au terrain de foot, à Moistimir, des scènes d'action qui se sont rajoutées, des scènes de fond vert. Ben bref, c'est penché sur le cinéma cette saison, avec les super-héros à côté, mais on va voir que c'est deux choses un petit peu différentes. Donc pourquoi je vous dis ça, que c'est sur le cinéma? Parce que les aliens, c'est des personnages de science-fiction, les aliens. En tout cas, pour l'instant, aucun alien n'a été trouvé sur Terre. Donc pour l'instant, ça reste dans le domaine de la science-fiction. Et donc Fortnite nous le font bien comprendre en rajoutant tous ces effets de cinéma sur la map. Mais cette science-fiction pourrait très vite devenir réalité et donc donner un petit goût d'ironie à tout ça. Vous allez voir pourquoi. Donc sur la nouvelle zone qui a été rajoutée sur la map qui s'appelle Risky Riss, il me semble, si je me trompe pas, c'est un cinéma en plein air et on peut y voir un panneau avec trois films qui vont pas tarder à sortir, qui sont en cours de diffusion dans le monde de Fortnite. Donc le premier film, je n'ai rien trouvé d'étrange ou de suspect dans ce film. Il s'appelle tout simplement Revenge of Breeze Dog. Donc j'ai cherché un peu qui était ce Bree, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai trouvé aucune signification dans ce film. Mais c'est peut-être pour semer le trouble un petit peu, et en plus il est en première position, donc ça sème encore plus le trouble. Vous allez voir que les deux autres ont des petits trucs étranges. Le deuxième se nomme It Came From Moistimir. Donc traduction en français, ça veut dire cela vient de Moistimir, ou alors cette chose vient de Moistimir. Qu'est-ce qui pourrait venir de Moistimir? On sait que Moistimir, c'est un marais. Et dans les marais, souvent, il y a des monstres dans les films qui sortent des marais, des monstres gluants. Donc jusqu'à là, pas de rapport avec des aliens. Mais on se rapproche un peu du domaine des aliens vu qu'on parle de monstres. Même si les aliens ne sont pas forcément méchants. Mais ils peuvent souvent l'être. De plus, on sait que Moistimir va être évolutif toute la saison. Ils ont dit dans un communiqué, je crois, officiel ou semi-officiel, je sais pas vraiment comment ça a été dit. Mais Moistimir va changer toute la saison. Ça a été dit et redit par plein de gens, ça a été repris. Parce qu'ils ont fait l'erreur avec Tilted de tout mettre d'un coup et ils ont un peu regretté ça par la suite. Donc cette saison, Moistimir, chaque semaine ou chaque 3-4 jours peut-être, je sais pas, ils ont pas dit la date, mais va évoluer, va y avoir des petites modifications à chaque fois. Et peut-être qu'ils vont nous rajouter des petits indices sur les aliens qui viendraient de Moistimir petit à petit. En tout cas, si des indices se sortent sur Moistimir, je referai des vidéos dessus sans souci, parce que moi j'adore chercher un peu des théories comme ça, ça me plaît plutôt pas mal de chercher des théories, de passer un mode studio avec le mode studio, surtout on peut tellement s'éclater, on peut mettre pause, on peut bien prendre le temps de tout regarder. Donc moi je cherchais vraiment le moindre indice sur Moistimir et je vous tiendrai au courant au plus vite. Et le troisième film qu'il y a sur la pancarte publicitaire se nomme What Is It, donc qu'est-ce que c'est. Et ensuite on peut voir un ant story, parce que la lettre a été cassée. J'ai fait mes petites recherches sur internet et c'est le O qui manque, c'est un Anton Story. Lorsqu'on tape Anton Story sur Google, on tombe sur un dramaturge russe qui se nomme Anton Tchakov. J'ai pas trouvé plus d'informations à son sujet. J'ai regardé chaque titre qu'il a fait, chaque œuvre de théâtre ou de roman. J'ai lu tous les titres et j'ai rien trouvé qui parlait d'alien ou quoi que ce soit. Donc si vous avez des infos sur ce dramaturge russe, Anton Tchakov, n'hésitez pas à m'en donner parce qu'ils ont pas mis son nom comme ça par hasard sur la map. Il y a forcément un indice, c'est forcément un indice par rapport à quelque chose, mais j'ai vraiment pas trouvé. Ensuite, ça a fuité, tout le monde le sait maintenant, ou beaucoup de gens le savent, il va y avoir des skins militaires qui vont sortir sur Fortnite. Donc je vais vous afficher les skins à l'écran. Il y a un skin militaire femelle tout métallique, un skin mâle pareil, dans le même style. Il y a un troisième skin, c'est une militaire avec un casque sur la tête. Et le quatrième, c'est un militaire bleu. Donc les skins militaires, vous me direz quel est le lien avec les aliens et tout ça. Tout simplement que les militaires viendraient porter secours tout simplement sur la map de Fortnite pour combattre les aliens et peut-être plus, vous verrez la suite de ma théorie, peut-être qu'ils vont faire autre chose. Pour le prochain point, il m'a été suggéré par un ami qui s'appelle Hiro, je mettrai sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner si ce qui fait vous plaît tout simplement. Ça serait comme quoi la météorite pourrait être un œuf d'alien géant. Oui, vous avez bien entendu, un œuf d'alien géant, pourquoi pas. Après tout, elle vient de l'espace et les aliens, ça vient de l'espace aussi, donc pourquoi pas. Et selon moi, elle pourrait éclore au fur et à mesure de la saison. Peut-être on verrait des petits craquements au bout de certains jours pour amener les théories comme avec la météorite qui était apparue, avec les étoiles filantes qui étaient tombées, les comètes petit à petit. Donc là, peut-être des petits craquements, je sais pas. Et comme on le sait, il y a des bouts de météorites qui sont crachés un peu partout, donc ça pourrait faire une invasion spectaculaire d'aliens qui sortiraient tous en même temps de partout sur la map. Et là, ce serait vraiment le bordel. Et c'est pour ça que je vais vous parler du prochain point qui va être très 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 important dans la théorie. Le prochain point, vous l'avez sans doute remarqué, il y a une fusée qui a fait son apparition sur la montagne au-dessus de Snowy Shore. Cette fusée a suggéré beaucoup d'interrogations chez beaucoup de monde et chez moi aussi. J'ai vraiment cherché tous les indices que j'ai pu et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Autour de cette fusée, on peut y voir deux logos. Donc le premier logo, c'est un logo violet qui a une espèce de route qui monte ou je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas trouvé de logo qui correspondent à ça dans la vraie vie. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour le deuxième logo, je trouvais vraiment quelque chose d'important. C'est un logo métallique, c'est une espèce de cercle avec un pic, un triangle au milieu. Et ce logo ressemble étrangement au logo de l'agence spatiale chinoise. Alors pourquoi ils ont fait cette coïncidence avec le logo de l'agence spatiale chinoise, je sais pas. En ce moment, beaucoup de choses sont en rapport avec la Chine. Parce que vous le savez peut-être pas, mais les serveurs chinois ont ouvert le 23 avril sur Fortnite. Donc ça fait très très peu de temps que les serveurs chinois sont ouverts et ils ont déjà mis un truc en relation avec la Chine dans le jeu. Donc pourquoi ça? Est-ce que les Chinois auront un rôle à jouer dans cette invasion extraterrestre? Je n'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On a aussi deux bases militaires qui ont été rajoutées, deux bases secrètes qui ont été rajoutées sur la map.
Il y en a une qui se situe à Salty Spring, au sous-sol de la Maison Bleue, et l'autre à la maison de... qui a été rajoutée, la nouvelle maison, à côté de Lonely Lodge, tout simplement. Dans ces bases militaires, on peut y voir trois post-it. Donc les deux premiers post-it, impossible de les décrire, mais le troisième post-it qui se situe en haut, on peut y voir très clairement le dessin d'une fusée. Pour moi, ça ne fait aucun doute que ces bases militaires sont reliées à la fusée tout simplement et au décollage, et donc que les militaires préparent quelque chose par rapport à cette fusée et aux aliens. Et donc ça, c'est moi qui l'ai imaginé, inventé, il n'y a pas vraiment d'indication sur ça. Et pour moi, ce qu'ils préparent, c'est tout simplement une extraction des habitants de l'île de Fortnite sur la Lune. Pourquoi sur la Lune, me diriez-vous? C'est tout simplement parce que vous savez, vous avez sans doute remarqué les petits fragments de météorites qui ont été rajoutés autour de Dusty Depot et partout autour des zones de la comète. Ça fait un effet d'apesanteur, enfin, on est un peu en apesanteur, il n'y a plus trop de gravité, et ça ressemble étrangement au mouvement qu'on a sur la Lune. Peut-être que Fortnite ont ajouté ce style de gameplay pour voir si ça plairait aux joueurs d'avoir tout un gameplay orienté sur ce style-là, avec des grands sauts, sans dégâts de chute. Et moi, ça me plairait vraiment beaucoup d'avoir ça, donc peut-être que c'est une phase de test pour mettre une map sur la Lune qui se déroulerait entièrement sur la Lune et avec cet effet du coup permanent. Parce qu'on le sait, Fortnite va pas laisser une seule map tout au long de la saison. Il va forcément y avoir un moment où une deuxième map va sortir, et pourquoi pas la sortir à la prochaine saison. Enfin, j'ai trouvé un dernier petit indice qui relie tout ça aux aliens. C'est peut-être un peu léger, c'est peut-être un peu tiré par les jeux, vous me direz, mais c'est quand même un indice, je vais vous le dire. C'est dans la nouvelle boîte de nuit qui a été créée à côté de Flush Factory dans l'usine, il y a des écritures avec marqué Don't forget to go home. Donc a priori, c'est sans intérêt, c'est dans une boîte de nuit, donc n'oubliez pas de rentrer chez soi, c'est peut paraître logique dans une boîte de nuit. Mais pour moi, il peut y avoir peut-être une petite référence au jeu Alien Isolation. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a une célèbre phrase dans ce jeu qui s'intitule I just want to go home. Donc ça ressemble, c'est assez similaire, ça serait peut-être un petit clin d'œil. Comme c'est le jeu Alien, ben ça fait direct rapport aux aliens. Donc dites-moi ce que vous pensez de toute cette théorie dans les commentaires. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de ma théorie. Si la théorie vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like. Même si elle vous plaît pas, n'hésitez pas à lâcher le petit like si toutes les recherches en tout cas vous ont plu. N'hésitez pas à me dire surtout aussi ce que vous pensez par rapport à la théorie, si vous pensez comme moi. N'hésitez pas à me dire si je suis peut-être parti trop loin, peut-être que j'ai cherché beaucoup trop d'indices. Il faut attendre le milieu de la saison pour voir des indices. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de chercher ces indices. J'essaierai de vous refaire des vidéos si je trouve d'autres choses à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Moi, je vous laisse avec la fin du gameplay. C'est une partie où je fais top 1. Reprendre un seul dégât de toute la partie. Donc, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à regarder ça jusqu'au bout. Il reste plus beaucoup de temps de toute façon. Moi, je vous dis à la prochaine et à plus tout le monde. Thank you.